Salut les amis! Oh, ça y est, c'est enfin la nuit des rois mages! Même si nous avons un petit problème, Martin a disparu. Les boissons! On a oublié de leur laisser à boire! Après leur long voyage, ils vont sûrement avoir très soif! Un peu d'eau bien fraîche. De l'eau? C'est un peu fade! Du vin alors? Non, ils travaillent quand même, il ne faudrait pas qu'ils aient des problèmes. Ah oui, c'est vrai. Les heures de travail. Bon, alors, du lait? Mais c'est mieux pour le petit déjeuner, ça, non? Les amis, moi je crois qu'une limonade bien fraîche, ça leur ira très bien. Oh oui, ils vont adorer. Eh bien, ça y est, la table est prête. Tu aimes? Elle est vraiment pas mal, oui. Wouh! Tout sent très bon. Je peux goûter? Wouh! Non, Coco, c'est pour les rois mages. On va devoir cacher la nourriture. Avec Martin aussi, c'est risqué. Martin, tout ça, ce n'est pas pour toi, d'accord? Martin? Martin? Quelqu'un a vu Martin? Oh, il doit être encore en train de dormir. Il n'est pas là. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans la cuisine. Je lui ai dit que le dîner, ce n'était pas pour lui. Oh, moi, je crois qu'il s'est caché pour nous faire peur. Martin? Martin? Ouh! Martin! 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 Oh les amis, il faut vite le trouver! Les rois mages sont sur le point d'arriver! Et maintenant, par ici! Ah non, non, non! Par là! Oui, comme ça! À droite! Je crois que nous sommes déjà passés sur cette dune auparavant. Oups, non, pardon! C'est par la gauche! Allez, on tourne à gauche, d'accord? Petite étoile, es-tu sûre que c'est par là? Oui, oui, regardez, le GPS dit que c'est par ici. GPS? C'est un nouveau pouvoir, ça? Mais non, c'est un système qui indique quel est le meilleur chemin pour arriver à destination. Oui, eh bien, ça ne me paraît pas très pratique. On n'a pas eu de chance avec cette étoile magique. Mais oui, allons-y, c'est par là, on y est presque. Je ne fais pas confiance à ce GTS, hein. GPS! Oui, bon, c'est ça. Martin, où es-tu? Ce n'est plus drôle. Allez, c'est bon, on le reconnaît. Tu es le meilleur à cache-cache. Alors, vous ne l'avez toujours pas trouvé? Rien. On a cherché partout. Il n'apparaît pas. Il est super tard. Les rois mages vont le voir et nous n'allons pas avoir de cadeaux. Il a passé toute la semaine très impatient car les rois mages allaient venir. Je ne comprends pas. À moi, il m'a dit avant d'aller dormir qu'il avait faim. Ouh! Oui, mais Martin a toujours faim. Je sais où il peut être. Suivez-moi. Il doit être ici. C'est vrai, pizza. Comment n'y avons-nous pas pensé avant? Wouh, wouh! J'espère que les rois mages vont tarder un peu plus sur leur chemin jusqu'ici. Vœux exaucés. Et on y est, la ville Pinipone. Enfin! Tu verras demain les courbatures qu'on aura d'avoir autant marché. Moi, je crois que j'ai des ampoules, hein. Oh, comme ils se plaignent, ces rois mages, hein. Regardez, tout droit, c'est la ville. Un parc d'attractions. Où ça? Oh, la villa. Youhou! Moi en premier. Je vais te donner un coup. Wow, tant de tours. Encore, encore! Qu'est-ce qui a bien pu les piquer? Chers amis, vous avez plein de cadeaux à distribuer. Encore une, encore une! Miam, miam, pizza, bon, bon, bon! Martin! Eh bien, voilà Martin, évidemment, en train de manger. Pizza, bon! Il faut aller dormir maintenant, c'est la nuit des rois mages! Hommage, cadeau, oui! Oui, eh bien, on a failli ne pas avoir de cadeau à cause de toi. Allez les amis, au lit, les rois mages peuvent apparaître à n'importe quel moment maintenant. Chers rois mages, voici un dîner pour que vous puissiez continuer votre long chemin en distribuant des cadeaux. Bisous, la bande Pinipone. Oh, comme ils sont mignons ces Pinipone! Eh bien, il va falloir tout manger, c'est un peu dommage de tout laisser comme ça, non? Mais c'est très bon, délicieux, fantastique.
Allez, chers amis, nous devons continuer. Cadeau pour moi! Peut-on vous accompagner? Bonsoir. Oh! Bon, eh bien, trop tard, vous nous avez vus. Petite étoile, accompagne-nous jusqu'à la crèche. Nous sommes venus de très loin et nous vous apportons des cadeaux et des amis. Oh, c'est génial! Bonjour Jésus! Waouh! La bande Pinipone arrive toujours à avoir ce qu'elle veut. Ils ont pu faire la connaissance de Jésus, Marie et Joseph. C'est qu'ils ont été très sages pour que les rois mages leur fassent ce cadeau. Et vous les amis, que vous a apporté le Père Noël, les rois mages? Dites-nous tout ça dans les commentaires, vraiment tout! Si vous avez aimé les regarder, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt les amis!